Eh bien, salut tout le monde et bienvenue chez Gian Nevada pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui sur un nouveau let's play qui sera Need for Speed Hot Pursuit remasterisé qui est sorti le mois dernier ou il y a 2 mois, je ne sais plus exactement, mais en tout cas c'est un des meilleurs Need for Speed que j'ai vu sur internet, à ce que l'on dit hein, dans les réseaux sociaux. Quand il est ressorti en remasterisation, sachez que le jeu est sorti dans les années 2000-2005. Donc après, je ne sais plus trop l'histoire de ce Need for Speed Hot Pursuit, sauf que je sais qu'il vient de ressortir remasterisé sur le EA Play et que vous pouvez retrouver également en CD sur Xbox One et PS4. Voilà. Donc allons-y, c'est parti pour un tout nouveau Let's Play, pour un tout nouveau Need for Speed. Hot Pursuit, remasterisation, c'est parti. Alors, nous allons commencer tout de suite avec notre première course, c'est parti. J'ai déjà fait plus fort. On va la refaire. Oui, tout à l'heure, oui. Tout à l'heure, je l'ai fait cette course. Avec le Boxster Spider, les ingénieurs de chez Porsche ont réalisé un rêve de longue date, à savoir la mise au point d'un roadster encore plus original, sportif et authentique que tous les autres. Par sa légèreté et son équipement qui ne tolère aucun luxe, il incarne un salutaire retour aux fondamentaux du plaisir automobile. Pour animer cette merveille, le légendaire Flat 6 de 3,4 litres a été installé juste devant les roues arrière. Avec seulement 1275 kg sur la balance, il accélère bien mieux que les deux autres modèles de la gamme. Très vif et agile, le Boxster Spider excelle lors des changements d'appui. Pas de climatisation, pas de radio, pas de porte-boisson, mais de simples sangles en guise de poignées dans les contre-portes. Cette Porsche, la plus légère de toute la gamme, fait revivre l'esprit de la légendaire Porsche 550 Spider des années 50. D'accord, ok. Sinon, qu'est-ce qui s'en fout ? Moi. Bon, tout à l'heure, j'étais pas en vidéo, je l'ai testé, tout doucement, ce fameux Need for Speed, Hot Pursuit, Remastered, c'est écrit là-haut, à droite. D'ailleurs, je dis remasterisé, mais c'est Remastered. Ah, c'est pareil, en fait, c'est bien pareil. Alors, Let's go.
De faire 3 minutes et 59 secondes, j'ai fait 3 minutes et 51 secondes. J'ai gagné 8 secondes. Tout très bien. Très content. Ah, j'ai une nouvelle voiture, une Mazda RX-8. Oh, pas mal. Le chargeur SRT8, sportif. Voilà, mais ça c'est super. Alors, maintenant, on va aller voir le SCPD. Parce qu'on peut choisir... on peut faire deux choses dans ce mode de jeu. Vous avez été promu au sein de la SCPD, le corps de police routière le plus rapide. La police. Votre carrière débute au grade 1 et la police. Votre accès aux ressources du service donc est c'est limité. Parti. Au sommet de la hiérarchie policière, le grade numéro 20, Super Flic, donne accès à n'importe quel véhicule et à tous les moyens disponibles. Votre carrière dans la SCPD est évaluée selon vos performances sur le terrain. Tous vos actes surveillés et enregistrés dans le système influent sur votre prix. Plus vous obtiendrez de primes lors d'une mission, plus vous progresserez rapidement dans la hiérarchie policière. À chaque promotion, des voitures et des équipements supplémentaires de la SCPD sont mis à votre disposition et vous accédez à de nouvelles missions. La procédure de base consiste à provoquer l'immobilisation du suspect en endommageant par exemple sévèrement sa voiture. Les unités d'interception peuvent utiliser tous les moyens à leur disposition pour arrêter le suspect. L'objectif est d'arrêter le suspect en un minimum de temps afin de faire courir un minimum de risque à la population de Seacrest County. Toutes les voitures de la brigade d'interception possèdent le système SCPD Nitro. Par les accélérations fortes mais brèves que le système procure, vous pourrez combler votre retard sur un suspect ou foncer droit sur lui. Si le suspect prend trop d'avance, faites votre retard le plus vite possible. La mission vous sera retirée. Restez au contact, l'essence en éveil. D'accord. Bon. Aujourd'hui, vous conduirez une Ford Crown Victoria. Vous prendrez le volant de voiture un peu plus amusante quand vous aurez fait vos preuves. Bonne chance. Ouais, pourri de ta voiture de merde. En moins d'une minute. Merci. Agent poursuivi de Mazda RX-8 en direction du sud sur Three Point Road. Nous confirmons le suspect route beaucoup vite. Demande terrain volant. L'envoi d'une unité d'interception a été approuvé par le commandement. Elle va vous rejoindre. Affirmatif. L'unité d'interception est sur le front et engage la poursuite. Je m'arrête là. À vous. Wow. En 37 secondes. Wow, heureusement. Eh, je crois que je vais faire flic, moi. Je vais faire tout le temps. Non, on va faire des courses aussi, on va varier un peu les plaisirs. Nous aussi, on peut être poursuivis.
Nouvelle voiture. Subaru Impreza. Oh, alors là. Aïe, 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 aïe. J'adore. Ouais. On fait quoi? Allez, deuxième course. Allez, on va faire. Allez. Une petite course comme ça. Très sympathique. Allez, on y va. Un coup de course, un coup de poursuite, un coup de course, un coup de poursuite. On y va. Ça fait du bien. Alors, attends. 134 km/h. Et elle, elle est à 200. Donc, on va prendre celle-là. On va la prendre en noir. Depuis longtemps, Charger est synonyme de performance. Oui, presque aussi pratique qu'une berline, la Charger SRT8 est avant tout une muscle car polyvalente qui sait procurer un immense plaisir à son pilote. Avec ses 425 chevaux, son V8 EMI de 6 litres 1 est bien plus puissant que les moteurs de la grande époque des muscle cars. Dans les entrailles de la Charger, un système de contrôle électronique de stabilité veille et corrige tout changement de trajectoire un peu trop brusque. Côté design, on retrouve les fameuses jantes alu à 5 branches dans des passages de roues très prononcés. La calandre agressive à l'avant et la forme de la chute du pavillon donnent à la Charger le look d'une reine de la route. Ouais, mais est-ce qu'on peut les... On peut les modifier, les voitures, après? Je sais pas, attends, on va essayer. Non. Je pense qu'on peut pas. Depuis longtemps. Pas plus mal. Ouais, depuis longtemps, bah, ça ira. Tu peux répéter la même chose, lui. Wow.
Waouh, en plus, waouh, comment j'ai augmenté les. Eh ouais, j'ai joué à plusieurs Need for Speed. C'est pas lui qui va me faire peur. J'aime bien aussi celle-là. On a des bonnes bagnoles quand même. Allez, une poursuite. Allez. Allez, c'est parti.
ouais, si. Alors là, franchement, là, c'est ok. On va le refaire. On va refaire avec celle-là. Allez. Présentée en 2003, la Mazda RX-8 s'est déjà vendue à plus de 160. On y arrive, hein. C'est que le début du jeu. Donc il a l'air maintenant, super. À toutes les unités, nous devons traiter une urgence prioritaire sur Mission Beach.
Voilà. Le suspect a été arrêté par nos unités. C'est terminé. Waouh, et c'est de plus en plus chaud. Qu'est-ce que vous croyez? Là, ça devient un peu plus par les voitures. Là, c'est ouais. Voilà, on refait une fois pour ici. En tant que membre de la SCPD, vous avez l'accès total du centre de commandement à chaque mission. Pour cette mission, le commandement valide le déploiement d'unités pour former un barrage. Demandez des unités pour former un barrage en amont du suspect et de votre position. Si le suspect percute le barrage, sa voiture sera très endommagée. Vous aurez alors l'occasion de procéder à son arrestation. Allez, où ma voiture? Allez, c'est parti. Moins de 2 minutes. Okay. Thank you.
Ah, quand même. Un petit tour, ça, quand même. Allez. Celle-là. Différente et ça se voit. La Lancer Evolution ou Evo pour les intimes en est à sa 10e génération. Au départ, simple berline 4 portes, elle a très vite fait l'objet de versions très performantes au point de connaître le succès en rallye avec un premier championnat du monde des constructeurs en 1998 et des pilotes de 1996 à 1999. Si la Lancer Evolution est si efficace, elle le doit en grande partie à sa technologie révolutionnaire baptisée Super All-Wheel Control ou SAWC qui répartit le couple en provenance du groupe motopropulseur de l'avant à l'arrière et aussi de droite à gauche. Disposant en permanence de toute la motricité disponible, la Lancer Evolution offre des accélérations fantastiques sans perdre une once d'efficacité et de sécurité. Sur une Lancer Evolution, tout vise à l'amélioration des performances et de la sécurité. Aérodynamique et esthétique ne sont pas en reste, avec des ailes élargies ainsi qu'un toit et un capot en aluminium, ce dernier étant muni d'entrée d'air. On s'en fout un peu, non ? Ouais, on sait bien ce qu'il me semble aussi. On s'en fout. On s'en fout. Ouais.
c'était bien nickel. Allez hop, emballer, se peser. Allez, ça c'est fait. Qui bosse? C'est qui le boss? C'est moi. Maintenant, ferme sa gueule. Ouais. Oh non, ça me fait les courses. Bon, allez. Entre 1975 et 1989, la Porsche 911 Turbo. Elle est moche. Elle est moche. Bon, c'est la dernière. Bon, on a arrêté. Voilà, là. Je la ferai en live. Centrale à toutes les unités. Les collègues demandent du renfort sur la West Beach Freeway. Il s'agit d'un exercice d'entraînement, mais vous serez noté comme si les conditions étaient réelles. Là ouais, avec plaisir. D'ailleurs, on va refaire une poursuite.
Ouais. Ah ouais. Ah, celle-là, elle me plaît bien. Pour finir, on va finir là-dessus. Hein. Sinon, là, vu qu'on n'est pas en live, je ferai des lives également sur ce Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Je l'ai bien noté à l'époque. Centrale à toutes les unités. Des collègues demandent du renfort sur Lost Star Force. On demande toutes les unités. La situation est urgente. Quand même. Oh. Non, non, je vais réessayer. Non, non, on va réessayer. Ah, si on peut mieux faire. Normalement, oui. On demande toutes les unités, la situation est urgente. Éviter de prendre les raccourcis. On demande toutes les unités. La situation est urgente. Thank you.
demande toutes les unités. La situation est urgente. On demande toutes les unités, la situation est urgente. C'est un peu compliqué, hein. Mais bon. Voilà, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Hein? Donc, la fin de cette vidéo, elle aura duré une heure pour un Cine for Speed, haute poursuite remasterisée. Ce qui est ressorti il y a deux mois, je pense, deux ou trois mois. Voilà. Moi, j'ai adoré faire cette vidéo. J'espère que ceci vous aura plu. Il y aura aussi également des lives sur ce jeu.
Ah bon bah ça va, ça a l'air pas mal. Et à mon avis, le jeu risque de durer pas mal de temps. Donc nous le ferons également en live. Les amis, c'est la fin de cette vidéo pour aujourd'hui. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'oubliez pas de laisser le petit like et le petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.